Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de Fly avec Lorraine. Alors je sais pas comment ça se fait, mais j'ai plus mes sauvegardes à part quand j'ai fait l'épisode 9 toute seule quand il est sorti. Donc oui, c'est un retour assez soudain, mais il est là parce que j'en ai marre que ma chaîne soit morte et j'adore Fly. Alors quitte à me rajouter du travail, je préfère que ce soit quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Du coup, je vous mets mon VTuber, mais je sais pas, je me dis, c'est cool d'avoir quelqu'un de présent. depuis le dernier épisode, j'ai un nouveau micro, donc je sais pas si vous allez voir la différence, mais si vous avez vu d'autres vidéos après les vidéos de Fly, je crois qu'il y en a qu'une, ou deux, je sais plus, bref. Bah vous avez pu remarquer peut-être. J'ai pas grand-chose à dire, juste que du coup, j'ai décidé de reprendre assez rapidement. Vous aurez plein de vidéos là, normalement. Je me suis organisée. Bon, je vais moins dormir, mais et c'est les vacances, mais au moins je serai contente d'avoir fait quelque chose. Donc, on fait l'épisode de Lorraine aujourd'hui. Sachez que moi, je vais filmer le même. Enfin, avec Evan le même jour. J'ai toujours pas vu la scène du 8, je crois. Ou soit je l'ai fait avant de faire l'épisode 9, mais j'ai aucun souvenir. Donc au moins, voilà. Et ensuite, du coup, comme j'ai déjà dit à chaque fois, le crush qui est passé en premier pour l'épisode qu'on est en train de faire, il passera en dernier. Et du coup, la prochaine fois, on commencera l'épisode 9 avec Juliette. Et quand l'épisode 10 sortira, il n'est pas encore sorti. Adjab a dit qu'il sortirait entre le 28 et le 7 janvier, je crois. Enfin, le 28 décembre et le 7 janvier. Bon. Vous les aurez pas tout de suite s'il sort à partir de 28 parce que ben le 28 c'est un peu dans. Je sais pas calculer, attendez. Dans 5 jours au moment où je filme. Bon, je pense pas qu'il va sortir directement le 28. Mais c'est pour vous dire que vous aurez d'abord tout ce qu'on a loupé. D'abord. Voilà. Mais vous aurez tout, c'est sûr. Voilà. Donc. Voilà, donc on y est. Ouais. Alors j'ai plus trop de souvenirs, donc c'est ça qui est bien. Je sais juste que le rendez-vous, bon, on est avec Lorraine et Juliette, et du coup, comme elles sont à la suite, ben c'était pas trop bien pour moi. Bref, ne perdons pas plus de temps et allons-y. 3 octobre. Mais je t'assure, Victor m'a dit qu'il n'y avait pas de dress code, tu n'as pas du tout l'air ridicule. Regarde, je suis venue en tenue de tous les jours moi aussi, et je ne vois personne sous ton 31 autour de nous. Zut, tu te souviens si j'ai bien verrouillé la voiture derrière nous? Aucune idée, désolée. Quelle sotte je fais. 4 ans que j'ai cette voiture et 4 ans que j'oublie systématiquement si je la verrouille derrière moi. Je t'abandonne quelques minutes, je vais vérifier. Tu t'en sortiras sans moi? J'imagine que ça devrait aller. Il me semble qu'une ou deux personnes du lycée connaissent Victor. Je vais voir si je peux trouver quelqu'un que je connais. J'ai accepté d'accompagner ma mère à l'anniversaire du stagiaire de son cabinet d'architecture, qui s'avère être le fils de la CPE de mon lycée, mais je n'en avais pas vraiment envie. Depuis mon date avec Lorraine mercredi dernier, on ne fait que de parler non-stop par message. Au lycée, par contre, c'est comme si l'univers s'acharnait pour qu'on ne se croise jamais. J'aurais préféré passer la soirée à discuter virtuellement avec Lorraine, mais je ne fais rien seule avec ma mère. Je ne fais jamais rien seule avec ma mère. Alors, j'ai voulu lui faire plaisir en l'accompagnant. Lorraine attendra demain. Ce soir, je vais essayer de penser à autre chose que le lycée. Les problèmes des autres ou Lorraine. Je ce soir, par contre. Il ne faut pas abuser non plus. Max Berada? Je ne savais pas que vous connaissiez mon fils. Bonsoir, Madame Vasseur. Maman, je t'ai dit 100 fois que j'avais invité ma tutrice de stage et je lui ai dit qu'elle pouvait ramener ses enfants. J'avais oublié la fameuse Mona Berada qui a accepté de prendre mon fils en stage et donc votre mère. Où est-elle au juste que je la remercie d'encadrer mon fils? Elle est sortie à vérifier si notre voiture est bien verrouillée. En tout cas, il me tarde de la rencontrer et de la féliciter de vous avoir si bien éduquée. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, Max,
Mais vous me rappelez beaucoup, moi, à votre âge, et... Maman, tu ne vois pas que tu l'as fait flipper avec ta voix de CPE. Je pense que Max aimerait bien passer un dimanche sans penser au lycée. Tu as raison, Victor. Ce n'est ni le jour, ni l'endroit. Eh bien, amusez-vous, Max, et à très vite. Merci, madame. Tout va bien, tu ne m'as pas l'air super à l'aise. Oh non, ne t'en fais pas. C'est juste que c'est surprenant de voir ma CPE dans un contexte autre que l'enceinte du lycée. 131, surtout. En plus, je ne connais personne, alors j'ai l'impression de faire tâche. Joyeux anniversaire d'ailleurs, même si venant d'une inconnue, ça doit pas vouloir dire grand-chose. Merci beaucoup, c'est vrai que ma mère fait très rarement les choses à moitié. Elle m'a déjà parlé de toi, et uniquement en bien. C'est rare qu'elle fasse confiance à des élèves comme ça. Mais sinon, tu dois connaître Ben et Béatrice, non? Ils sont là-bas, tu veux que je les appelle? Non, t'en fais pas, ça devrait aller. Ben, Béatrice, venez rejoindre Max, elle est toute seule. Hello! Salut Max, quoi de neuf? Béatrice, je t'avais à peine reconnue. Oh, et salut Ben. Alors, comment tu me trouves? Tu es resplendissante. Waouh, tu es resplendissante, c'est original tout en restant toi, j'adore. Je suis jaloux de ton style, honnêtement. J'imagine qu'après avoir relooké Josh, Ben s'est attaqué à toi, non? Il t'a forcé à changer de style pour le groupe? C'est moi, la marraine la bonne fée de Béatrice. Ah, eh bien c'est très réussi. On se connaît, ton visage me dit quelque chose. J'imagine que tu me connais, mais je suis pas sûre de te connaître. Mais voyons, tu n'as jamais entendu parler de Céleste Ange Palombe? Le nom me dit vaguement quelque chose. C'est moi, gagnante de The Star Machine saison 1, et coach de Star. Céleste est également ma prof de chant. Quand je lui parlais de l'opportunité de participer à la prochaine saison de The Star Machine, Céleste m'a tout de suite pris sous son aile. Avoir une recommandation de Claudine Flamand, c'est une place en finale assurée, à condition de donner le meilleur de soi-même. J'aide simplement Béatrice à atteindre le maximum de son potentiel. Quand Béatrice parlait de sa prof de chant, j'imaginais une dame bourgeoise un peu âgée, avec une carrière dans la chanson ratée, pas une vraie star de la chanson. Honorée de faire ta rencontre. C'est gentil, mais je me considère pas comme une star de la chanson. Je suis un one-hit wonder, un peu comme Emma Domas ou ce type qui avait sorti la chanson Ça m'énerve. On rigole, mais sa musique, elle est trending sur les réseaux en ce moment. Genre, là, ça m'énerve et je sais pas pourquoi. Qui ça? Exactement. Mon but, c'est de tout faire pour que Béatrice soit inoubliable et bien plus qu'un simple succès éphémère. Et ça commence par un style qui marque les esprits. Tu m'as l'air d'être entre de bonnes mains, Béa. Je suis contente pour toi. J'ai voulu l'interroger sur l'avenir du groupe des Nuggets on the Run, mais j'ai pas voulu la mettre dans l'embarras devant Ben et sa prof de chant. Bon, c'est pas tout, mais je dois y aller. Merci pour l'invitation, Béa, et encore joyeux anniversaire, Victor. À la prochaine, tout le monde. Alors, vous en pensez quoi de Céleste? Elle est telle que je l'avais imaginée, humble, ouverte, agréable et surtout hyper stylée et talentueuse. Justement, avec un CV pareil, je m'attendais pas à rencontrer une diva. Je suis presque un peu déçue qu'elle n'ait pas pris la grosse tête, elle a de quoi pourtant. Ben, mon garçon, ça te dérangerait de m'aider à ramener les gâteaux? J'ai besoin d'un ou deux bras musclés. Laisse, je vais m'en occuper, maman. Mais voyons, c'est ton anniversaire, tu devrais simplement rester assis et te faire servir. Allons-y, ne fais pas une scène de plus, s'il te plaît. Mon garçon, la CPE a l'air proche de Ben, c'est louche. Oh, tu sais, Ben et Victor sont de très bons amis de longue date. Ben passe plus de temps chez la CPE que chez ses parents, depuis que Victor vit à nouveau chez sa mère. Et aussi depuis que Molly vit chez... Josh. Comme ça, ça permet à Josh de dormir dans un vrai lit de temps en temps, plutôt que son canapé tous les soirs. D'être très bons amis comme Rachel et moi, ou plutôt comme Rachel et Nabil? Plutôt comme Evan et mon frère. Disons qu'officiellement, ils sont amis, mais que s'ils annonçaient être en couple depuis 4 ans, personne ne serait surpris. Ah bon? Je plaisante pour Evan et Clément, ne t'en fais pas. En tout cas, je comprends mieux pourquoi la CPE laisse Ben traîner dans le lycée alors qu'il n'y est plus, vu qu'elle le connaît personnellement. Tiens, au fait, je me posais une question peut-être légèrement indiscrète. Est-ce que je devrais avoir peur? Alors, attendez. Je me souviens avoir posé cette question. Celle-là, je sais que je ne l'ai pas posée, mais je pense qu'on la gardera pour la prochaine fois, parce que je ne me souviens plus de la réponse là. Donc, je suis désolée si j'ai sûrement dû la faire quand on a fait Clément. Non, Juliette, parce que c'est Juliette qu'on a fait en deuxième. Mais je n'ai plus aucun souvenir
Mais je sais que c'est pas là qu'on apprend qu'elle se considère comme aromantique. Enfin, je crois pas qu'elle le dit explicitement, mais je sais qu'il y a, vous savez, les petites scènes en plus. Je sais qu'elle en parle avec Clément justement et que là, elle se rend compte qu'elle est aromantique, mais seulement aromantique et pas sexuelle. Parce que je rappelle, aromantique, c'est ne pas ressentir d'attraction romantique pour quelqu'un. Dire que asexuel, c'est pas d'attirance sexuelle pour les gens. Donc quand on rappelle que Vanny est asexuelle, elle peut quand même sortir avec Gabriel parce qu'on sait qu'il y a un truc entre Gabriel et Vanny. Voilà. Mais c'était juste la petite aparté. Et du coup, Lorraine, j'allais dire. Béatrice, c'est l'inverse. Elle ne serait pas intéressée pour une relation amoureuse avec des gens, mais plutôt, bah, du coup, si affinité, relation sexuelle. Qu'est-ce que tu en penses de Charles? Il a l'air complètement amoureux de toi. C'est une longue histoire et compliquée. J'ai tant d'écouter. Ma mère est en train de parler avec un de ses collègues que Victor a apparemment également invité. Disons que Charles est un gros lourd qui ne me respecte en rien. On avait commencé à flirter ensemble et il me plaisait physiquement. Alors je suis un peu entrée dans son jeu. Mais au fur et à mesure de nos discussions, je me suis rendu compte que je jouais un peu un rôle. J'ai jamais ressenti de sentiments amoureux pour qui que ce soit, et là, alors que le type me plaisait physiquement, c'était pareil. J'ai essayé de lui en parler, mais il m'a fait dire que ça allait changer, et qu'il suffisait juste que je lui laisse sa chance. J'ai tenté de lui faire comprendre que c'était pas une question de temps, et qu'être en couple ne me disait pas grand-chose, mais il ne voulait rien entendre. Il est persuadé qu'il peut me faire changer. Me réparer, comme si j'étais défectueuse. Je comprends mieux pourquoi tu étais mal à l'aise quand Rachel avait décidé de faire un pacte avec Lorraine, toi et moi. Elle avait dit qu'il fallait absolument qu'on soit en couple avec quelqu'un avant la fin de l'année. C'est vrai que ça m'avait mise un peu mal à l'aise, mais j'ai très vite compris que Rachel attendait juste notre approbation pour se mettre avec Nabil. Je ne sais toujours pas pourquoi c'était si compliqué pour elle d'ailleurs. Probablement à cause de son ex, Alex. En tout cas, sache que Charles est une ordure au même titre qu'Alex à mes yeux et que tu n'es en rien de défectueuse. C'est gentil. Ah, te voilà, mon lapin. La voiture était encore une fois effectivement bien verrouillée. Oh, bonjour Béatrice, tu es resplendissante. Je n'aurais pas pensé que tu te souviendrais de Béatrice, elle n'est venue qu'une seule fois à la maison. Mais si, bien sûr! Je me souviens d'elle, j'ai même liké la page Facebook de son groupe, les Chicken Nuggets. Je suis aussi abonnée sur Instagram. Les Nuggets on the Run, maman, et c'est Instagram. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est super chouette ce que vous faites, en tout cas. Vous êtes si talentueux. Merci beaucoup, Madame Berada. Ma mère a accaparé Béatrice, qui était la dernière personne que je connaissais à ne pas être occupée. Et je me suis retrouvée seule. Après une bonne dizaine de minutes, le bruit des notifications de mon téléphone s'est fait entendre et j'ai croisé les doigts pour qu'il s'agisse de Lorraine. Ces derniers jours, c'est toujours moi qui ai dû faire le premier pas et envoyer le message à Lorraine. Alors un signe de vie de sa part m'aurait rassurée. Même si on ne fait que de parler en toute amitié, j'ai besoin que Lorraine prouve que je suis pas la seule à apprécier nos discussions par message. Oh, ah oui, c'est... Mathilde von Strauss vous a envoyé une invitation? C'est qui cette Mathilde? 4 octobre. Et voilà donc la pièce qui servira de QG au club de journalisme. Mon fils m'a forcé à regarder l'intégrale de Gossip Girl avec lui, alors je sais ce qui doit vous traverser l'esprit de certains d'entre vous. Le lycée a déjà connu ça il y a une dizaine d'années, et on ne laissera plus cela passer. Bien sûr, vous avez le droit de publier des articles moins sérieux, et vous pouvez amuser ou faire rire, tant que vous ne portez atteinte à aucun élève. Monsieur Verdier tient à ce que tout le travail d'investigation soit valorisé. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par là, mais je vous fais confiance. Mais j'insiste néanmoins sur l'importance de considérer le journal du lycée comme quelque chose de très sérieux, auquel tous les parents et tous les élèves auront accès. Notre ancien responsable informatique... Thomas Kiseski, mon dieu, ça me fait rire le fait que. Il a eu tellement de boulot dans ce lycée qu'il ne voulait pas. Désormais, surveillant devra connaître vos identifiants afin de pouvoir supprimer tout poste qui enfreindrait les règles. Mathilde von Strauss a été nommée responsable du CUP par monsieur le proviseur. Je compte sur vous 7 pour respecter les règles. Cette décision, et en ce qui me concerne, je serai dans mon bureau pour toute demande ou question. Mathilde von Strauss est en terminale, et elle est amie avec Clara. Je vais pas la juger sur ses fréquentations, mais j'ai peur que ça en dise long sur qui elle est. J'ai demandé à Rachel si elle en savait un peu plus sur elle, mais mis à part me dire qu'elle est le bras droit de Clara, elle n'a pas su m'en dire plus.
J'ai pas l'impression d'avoir déjà croisé Clara avec quelqu'un d'autre que son petit ami dans les couloirs, mais à la cantine. Il y a toujours une brune à côté d'elle à sa table. Enfin bon, c'est pas comme si je lui prêtais particulièrement attention non plus. Donc c'est normal que je connaisse pas Mathilde. Mathilde m'a expliqué son projet par message hier soir, mais je suis toujours pas certaine d'avoir tout compris. Bon, pour commencer, si Monsieur Verdier m'a choisi, c'est parce que c'est moi qui suis allée le voir pour lui demander de réouvrir le club, fermé depuis presque 10 ans. Pas besoin de me jeter vos trousses à la tête en demandant une élection démocratique, j'ai déjà un plan pour le club. La seule chose que je comprends pas, c'est pourquoi nous? J'imagine que nos articles pour le concours Teen's Bag ont dû impressionner le proviseur, mais dans ce cas-là, où est Lorraine? Le proviseur, c'est le monsieur avec les sourcils effrayants, c'est ça? Il n'était pas du tout dans le jury, je crois. J'ai pas participé au concours, moi. Je sais pas ce que je fais là. Si t'es aussi bon en écriture que dans l'article qu'en basket, tu ferais mieux d'en t'en aller, Noah. Pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est pas très gentil, Sarah. Elias m'a dit qu'à part lui et Dan, l'équipe de basket est nulle. Mais je viens de me rendre compte que j'étais peut-être censée garder ça pour moi. Est-ce que je peux parler? C'est moi qui ai formé cette équipe. Je vous ai dit que j'avais un plan. Alors écoutez-moi. Sarah, tu seras en charge de la rubrique du cœur, confession de crush, demande de conseils pour pécho. Tu nous donneras ton avis sur tout. Tu me connais tellement bien. Dommage que je ne parle plus à Clara et je suis donc obligée d'être froide et distante avec toi. Je t'aurais grave pris dans mes bras sinon. C'était déjà de mes rêves. Najma, tu seras en charge des articles de mode, outfit of the day, fringue devenue tendance, marque devenue ringarde, interview d'un élève un jour sur son outfit. Si tu n'étais pas amie avec une harceleuse grossophobe, je t'aurais brise dans mes bras moi aussi. Non, je plaisante, ça se fait pas de juger les gens sur les fréquentations. Merci, c'est vraiment le poste parfait pour moi. Mathilde n'a pas du tout réagi à ce que Nejma et Sarah ont dit. Et elle a continué son discours dans le même ton monotone et la même expression différente que depuis le début. Max, en tant que délégué du CVL, tu seras en charge des articles sur la vie du lycée, les événements à venir, les voyages scolaires organisés, etc. Tu m'assisteras aussi occasionnellement lors de mes investigations. C'est important d'avoir un membre en possession d'un passe-partout pour faire du fouinage de qualité. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Je veux dire, ça me convient, alors tant qu'on reste dans la légalité et qu'on n'entre pas par effraction ou que ce soit, tout dépendra de la qualité du scoop. Vanny, tu seras notre responsable informatique à nous. Je sais que tu es doué en informatique, alors fais-nous un joli site et si jamais on a besoin d'acquérir quoi que ce soit, pour des raisons légales, je vais pas finir cette phrase. Tant que c'est pour la bonne cause, tu peux compter sur moi, Daphné. Daphné? J'ai vraiment été d'une Daphné, moi? Ou de Beverly? Au secours. Pardon? Bah non. Mandy? Mathilde, pardon. Je m'en souviens maintenant. Et pour finir, nous avons Noah. Et moi? Tu m'as oublié? Ah, pardon, Minimoise, je t'avais oublié. T'es tellement petite que je te vois pas. À moins de faire l'effort conscient de baisser la tête. Toi, Molly, tu es notre représentante des impopulaires. Tu écriras sur vos goûts musicaux, culinaires et je sais pas trop quoi d'autre. Tout ce que votre espèce apprécie, en gros. Moi, en tant que représentante des populaires, je ferai la même chose de mon côté. Comme ça, on peut être certaine de toucher toute la population du lycée avec nos articles. Et moi? Je suis quoi? Noah, tu es notre homme 6 du groupe. Tu t'intéresseras à tous les sujets futiles qui concernent et intéressent les hommes, histoire d'être une équipe diversifiée. Et comme tu es le seul d'entre nous qui est à l'internat du lycée, tu enquêteras sur des rumeurs de rituels sataniques et de fantômes qui hantent dans les couloirs. Pourquoi est-ce que je suis seule à devoir risquer ma vie? Si jamais j'accepte, tu me payes combien? J'y risque gros. Je sais pas si certains d'entre vous croient à tout ça, mais moi je n'y crois pas. Je sais que ces choses-là existent. Ah, mais tu n'as pas accepté ou à refuser quoi que ce soit. Tu es et tu seras parmi nous. Je suis aussi interne, moi. Je peux enquêter avec Noah au besoin. C'est gentil, mais quitte à mourir tué par un esprit vengeur ou sacrifié par une secte secrète occupant les lieux, je préfère éviter d'emporter quelqu'un dans ma chute et mourir seul. Si ça permet d'éveiller les consciences, je suis partant. Si jamais tu veux une liste des reptiliens, aliens, zombies, fantômes et vampires du lycée, je peux te faire ça aussi. N'est-ce pas, Vanny? J'ai pas du tout suivi, désolé, Norbert. Si seulement Mathilde avait pu demander l'aide de Lorraine ou même de Rachel, histoire que je puisse parler de Lorraine à quelqu'un. En tout cas, même si son tempérament de petit chef m'agace un peu, ça me fait plaisir de voir que Mathilde prend cela au sérieux. Et c'est déjà où elle veut aller.
Vanny, le lycée nous a très gentiment prêté un ordinateur portable poussiéreux, mais fonctionnel. Tu peux commencer à mettre en forme le site du journal du lycée. Histoire de te faciliter la tâche, j'ai demandé à mon père de payer un type pour nous prémâcher le travail. Le site avait 10 ans. Quand même. Tout était en police comique sans MS. L'horreur. Tu n'aurais pas pu le sauver toute seule en une journée. Toutes mes instructions et les infos sont dans un Google Doc déjà ouvert. Les éléments esthétiques, les logos et les palettes de couleurs potentielles sont dans un dossier sur ma clé USB. Fais attention au regard indiscret. J'ai noté tous mes codes secrets pour que tu puisses avoir accès à toutes les fonctionnalités et les tester. J'ai déjà fait assez pour que tu n'aies pas énormément de choses à faire si tu connais aussi bien qu'on le raconte. On va lancer le blog en fin de journée et la récré ne va pas durer 107 ans. Alors activez-vous. Nejma, tu pourras écrire un article sur le style du proviseur pour ton premier article. Une interview mode avec le type le plus canon du lycée, ça nous rapportera des clics. Des clics, ça veut dire des revenus publicitaires. Et ça veut dire de l'argent à réinvestir dans le club. Sarah, pour ton premier article, pourquoi pas une interview couple avec Ilyes? Et en fin d'article, tu invites les élèves à se confier à toi pour toute question cœur. Max, pour toi, un petit article sur l'élection des délégués de la classe, avec une liste de tous les délégués et le ressenti général sur la nouvelle organisation des élections. Tu pourras demander à tes amis les impopulaires de te donner leur avis. Mais n'oublie pas de demander l'avis des gens qui ont de l'importance dans l'échelle sociale. Pendant ce temps-là, Molly, Noah et moi allons interroger nos sources pour un potentiel scandale de vol de nourriture destinée aux internes par les agents du lycée. Encore. La CPE a bien dit « tant que vous ne portez atteinte à aucun élève », elle n'a rien dit sur les gens qui travaillent à la cantine et les agents d'entretien. Pareil pour les profs. Au travail tout le monde, et on se retrouve ici à 15h pour une dernière relecture de tous nos articles avant publication pour 15h15 pile. Minimoid, Macromoise, je vous laisse me suivre. Bon, allons-y, je crois. Je n'aime pas ne pas avoir le choix. Pour le coup, je suis investi dans une mission. Let's go. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle a fait ce choix. Mais je suis contente qu'il n'y ait pas Clara ou quelqu'un d'autre pour aider l'ambiance. C'est évident, non? Massid a choisi une équipe de personnes qui ne lui tiendront pas tête. En plus, on a tous les six participé au concours Teens Mag. Enfin, pas Noah. Mais Mathilde, oui. C'est là qu'elle a dû nous repérer. Elle a l'air bien renseignée sur nous, pour quelqu'un à qui je n'ai jamais parlé de ma vie avant aujourd'hui. Je suis passée au bureau de la CPE récupérer la liste des délégués du lycée, et je me suis mise à interroger un par un. Et ça peut paraître un peu trop, mais je suis entièrement d'accord avec la manière de fonctionner du proviseur. Je vois. Bon, eh bien, merci beaucoup. J'ai tout ce dont j'avais besoin. Autre chose à rajouter? Et yes, ça te dirait d'aller en date ce soir, tu choisis le restaurant, je t'invite. C'est gentil de proposer, mais si je dois aller en date avec qui que ce soit, j'ai déjà une petite idée en tête. Mais moi aussi, justement. Alors, ça tombe bien. Je poste une photo de nous ensemble, comme ça Béatrice est jalouse, et pour toi, c'est ton présentant mystérieux qui sera jaloux. Gagnant. Allez, à plus, Charles, l'article sortira à 15h15. Tant pis pour toi. Il ne me reste plus que deux noms sur la liste, Rachel Adler et Raphaël Cresserel. Une fois Rachel et Raphaël interviewés, je pourrai enfin demander à Lorraine son avis sur le nouveau système des délégués pour mon article. Je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde, mais ça donnera une excuse pour lui parler sans paraître lourde et insistante. Depuis que j'ai décidé de ne plus lui envoyer mes premiers messages, on sait plus du tout parler virtuellement. Si ça se trouve, Lorraine me prend pour un stalker. Bref, il faut que je me dépêche, la récréation va bientôt prendre fin. Tiens, bonjour Max. Lorraine ? Je t'ai fait peur ? Non, pas du tout, c'est juste que je pensais justement à toi. Enfin, je veux dire, au message que je t'ai envoyé hier. Je me demandais juste si tu les avais bien reçus. Je me posais exactement la même question. De quel message tu parles, toi? Lorraine m'a montré son téléphone. Elle m'avait envoyé deux messages hier, mais je les ai jamais reçus. J'avais apparemment reçu une réponse à mon message d'hier et un autre message me demandant de mes nouvelles un peu plus tard dans la soirée. Mince, je n'ai rien reçu. Je devais pas avoir de réseau hier depuis le bar. Et comme j'ai un vieux téléphone, j'ai pas dû les recevoir après coup. Enfin, j'imagine. Je vois pas d'autres explications qui tiennent la route. Si je n'essayais pas d'arrêter de penser que tout le monde complote secrètement contre moi, je penserais que tu me détestes. Et que t'as fait exprès de supprimer les messages. Mais je te connais. Je sais que tu ne mentirais pas comme ça. Au contraire, enfin, je veux dire, t'as raison. Je suis très loin de te détester. Le sentiment est partagé. Bon, je vais pas te retenir plus longtemps. Tu as sûrement 10 000 choses de délégué à faire. C'est vrai que le timing est mauvais, là. J'ai des élèves à interviewer pour un article et je dois la rédiger, le corriger et tout ça pour 15 heures.
Tiens, et si on se donnait rendez-vous après les cours, tu fais quelque chose à 16h ? Rien du tout. Tu avais une idée en tête ? Rien de précis ? On peut se retrouver devant le lycée et on verra ensuite ce qu'on fera, si ça te va. Ça roule. À toutes. Elle est trop belle. Comme j'ai été un peu prise de court par Lorraine, que je ne m'attendais pas à la croiser de sitôt, j'ai complètement oublié mon idée de l'interview pour l'article, tu m'étonnes. La récréation s'est terminée, puis les cours de la matinée, et j'ai à peine eu le temps d'avancer sur mon article. Étant quand même rassurée de ne pas avoir été ignorée intentionnellement par Lorraine, je peux enfin me concentrer pleinement et sereinement dessus. Même si notre interaction paraissait un peu bizarre, c'est comme si on s'en voulait mutuellement de ne pas avoir répondu à l'autre alors qu'il n'y a pas de raison. En tout cas, même si ce club de journalisme me paraît être une bonne idée, j'aurais bien aimé être prévenue, et surtout que Mathilde ait une deadline raisonnable. J'ai décidé de m'avancer sur la rédaction de mon article au calme avant d'interviewer les derniers délégués, histoire d'être sûre de finir à temps. Alors, tu avances toi, Max ? J'ai fait presque toutes mes interviews et je sais à peu près comment je vais organiser le tout. Il me manque 2 élèves à interviewer et après je n'ai plus qu'à mettre tout ça en forme. Je profite de l'heure de déjeuner, tant pis si je saute un repas. Les dizaines de messages par heure envoyés par Mathilde sur le groupe du club de journalisme me stressent un peu, en toute honnêteté. Ne fais pas attention à Mathilde, elle est stressante de nature, elle ne va pas te tuer, je t'assure. Mais surtout, ne saute pas de repas. On a... Putain, je vais jamais dire cette... HGSP juste après. Madame Perroche nous a dit que la semaine dernière qu'on se rince à l'info. Tu pourras finir ton article pendant son cours, je peux te prêter ma clé USB si tu en as besoin. Oh merci Sarah, t'es un génie. Je n'ai plus qu'à faire mes interviews. Je sais. En attendant, moi j'ai déjà fini mon article, alors je vous souhaite bonne chance. Et toi Neige, tu en es où dans ton article ? Je termine la rédaction, Monsieur Verdier a été super sympa. Il a pratiquement écrit mon article lui-même. Au fait Max, tout va bien ? Non, oublie, je te laisse te concentrer sur ton article, sinon tu ne le finiras jamais. Mais non, je pourrais le faire pendant mes 2 heures d'AGSP, ça a raison. Je n'ai pas vraiment besoin d'interviewer tous les délégués. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est en rapport avec le truc dont j'ai commencé à te parler mercredi dernier, je n'ai vraiment aucune idée à qui je peux en parler. Oui, t'en fais pas, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de quelqu'un d'autre. Et personne d'autre ne sait ce que je sais, à part les personnes concernées, je crois. Tu m'as l'air pressé et je sais pas trop comment en parler, alors je reviendrai vers toi plus tard, ok ? Tu peux m'en parler, t'en fais pas. C'est au sujet de qui ? Clara. Qu'est-ce qu'elle a fait encore, celle-là ? Pour le coup, c'est plutôt quelque chose qui lui est arrivé à elle. Je t'écoute. Bon, je te fais confiance pour ne pas en parler, mais sur mon temps libre, je me fais passer sur un mec sur les réseaux sociaux. C'est un deuxième compte que je me suis fait sur plusieurs applis pour infiltrer les milieux masculins et signaler les contenus sexistes. La semaine dernière, j'ai été acceptée dans un groupe où les membres postent du revenge porn. Autrement dit, ce sont des mecs qui postent des photos ou des vidéos dénudées de leur ex, ou de filles qu'ils connaissent sans leur consentement. Enfin, c'est plutôt Jérôme Berger, papa divorcé et prof de PS qui a été accepté dans ce groupe. C'est ma couverture. Donc, comme d'habitude, je signale les publications que je trouve... Voilà. Donc comme d'habitude, je signale les publications que je trouve et menace les auteurs de prévenir la police et tout leur entourage et leurs actions punies par la loi. À moins qu'ils ne suppriment définitivement les photos ou les vidéos de tous les appareils, bien entendu. Je sais être persuasif. Je récolte assez d'informations que je trouve uniquement sur les personnes en question pour me faire passer pour un hacker et qui peut ruiner leur vie. En général, ça fonctionne bien et les types paniquent et suppriment tout. Sauf que là, je suis tombée sur une photo de Clara et j'ai pas pu identifier l'auteur. Quand tu parles d'une photo de Clara, tu veux dire ? Une photo extrêmement privée et du coup, je suis honnêtement complètement perdue. Je sais pas quoi faire et ni même quoi en penser. J'ai signalé la photo et le poste et le groupe ont été complètement supprimés. Mais ça ne change rien au fait que quelqu'un a posté cette photo en premier lieu et qu'elle risque d'être repostée autre part un jour. Je suis même pas sûre d'avoir bien fait de signaler le poste maintenant, je n'ai aucune preuve. Sur mon avis, c'est bien fait pour elle. Elle apprendra à être une ordure. Le karma, c'est pas une blague. Sarah, qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas contre vous, mais à chaque fois que je sors d'une pièce, je reste à la porte à attendre que les gens parlent de moi. Depuis que j'ai découvert que Clara, que je pensais être mon amie, parlait de moi dans mon dos et était homophobe, transphobe, raciste et j'en passe, je me méfie. Au mieux, j'entends des compliments sur moi et au pire, je découvre le visage des gens.
Je suis pas du tout d'accord avec toi, Sarah. Pour le coup, comme elle est victime dans l'histoire, il faut séparer la mauvaise personne de l'être humain. Vous étiez combien derrière la porte, au juste ? Il y avait juste Rachel et moi. J'étais venue chercher Max, et j'ai vu Sarah sortir et écouter aux portes. Alors, j'ai fait de même. Pour ma défense, c'est en écoutant aux portes que j'ai découvert que mon ancien meilleur ami, Emily, était amie avec Clara. Avec qui son frère me trompait. Et qu'elle le savait. Même si ça, on l'a appris un peu plus tard. Pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est dire que c'est bien fait pour elle, c'est remettre la faute sur la victime, et minimiser la faute de l'auteur des faits. Surtout qu'il s'agit d'un problème éminemment sexiste, qui vient au fait que les hommes pensent que nous, les femmes, sommes des objets qui leur appartiennent. Très souvent, c'est un ex ou un ancien flirt qui fait ça, par vengeance parce qu'il n'a pas obtenu l'objet de ses désirs, et qu'il l'a perdu, et souhaite donc la punir. Et donc dire que c'est bien fait pour une femme d'en être victime pour quelconque raison, c'est entrer dans le jeu de ces hommes qui pensent que ces femmes le méritent. Et par conséquent, c'est sous-entendre que les autres victimes du revenge porn sont considérées comme des victimes, que si elles sont des saintes. Je sais où tu veux en venir et j'aimerais te donner raison, mais pour le coup, il s'agit de Clara de la Tour. Celle qui t'a volé ton ex, qui a harcelé Juliette, qui pourrit la vie de Lorraine encore aujourd'hui. Alex, mais oui! À l'instant, j'ai dit que le coupable était toujours un homme rejeté ou blessé par une fille principalement et qui a fait ça dans le but de l'humilier. Eh bien, il me semble que c'est Alex qui a quitté Clara. Mais on ne sait pas pourquoi. Si ça se trouve, elle l'a trompé et a décidé de se venger. Tu as raison, c'est peut-être même Matteo qui a voulu se venger de Clara pour une raison quelconque. Si ça se trouve, c'est lui qu'elle a trompé. Donc j'ai pas le droit de dire que c'est bien fait pour elle, mais toutes vos théories se basent sur le fait que Clara aurait pu potentiellement tromper un mec. Ou peut-être qu'il a envoyé la photo intime de Clara à un de ses potes, qu'il l'a envoyé à quelqu'un d'autre, etc., etc. Et que c'est un mec random qui l'a publié. C'est possible. Ou si ça se trouve, Clara s'est juste faite pirater un de ses réseaux sociaux ou son téléphone ou quelque chose comme ça. Trop de possibilités. Par où est-ce qu'on peut commencer à enquêter pour enquêter ? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt alerter quelqu'un ? Un adulte ? La police ? Clara elle-même ? C'est dangereux ces trucs-là, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Qui sait, elle pourrait peut-être faire une bêtise en apprenant que sa photo a fuité. Ou si ça se trouve, elle est déjà au courant et a une idée de qui est la personne qui a posté les photos. Et du coup, faudrait lui en parler. Attendez, Najma, le compte qui a posté la photo, est-ce qu'il avait un nom? Est-ce que tu t'en souviens? Attends, j'ai une capture d'écran. Ouais. VNFXVRHKWDP. Bon. Oublie ce que j'ai dit alors, ça ne veut rien dire. On dirait du Caliber Smash. Le type a juste dû se créer un faux compte et taper des lettres au hasard. En tant que fan de Verukina Mars et de Mr. Robot, mon œil d'experte me dit que ce ne sont pas des combinaisons de lettres au hasard. Les lettres utilisées sont trop loin les unes des autres sur le clavier pour que ce soit du hasard. On dirait qu'il y a un code caché derrière ces lettres. Quel type irait poster une photo privée de quelqu'un, ce qui était légal, en utilisant un code déchiffrable? Un maître dont l'ego lui fait croire qu'il est trop intelligent pour être démasqué? Donc les trois quarts des mecs, quoi. J'ai une idée. Max, tu te souviens quand j'étais grave en croche sur Thomas l'année dernière? Malheureusement, oui. Eh bien, je sais que c'est lui qui t'a aidé à retrouver ton demi-frère, sur qui j'avais aussi un crush avant d'ailleurs. Qui est gay, surtout. Mais t'inquiète. Attends, quand j'y pense, j'ai vraiment un type. Ilyes, Thomas et Edouard sont tous les trois des types qui n'ont pas l'air de vouloir me donner leur... Mais en même temps, Edouard est gay. Bref. Il peut pas utiliser ses ordinateurs pour tenter de déchiffrer le code pendant qu'on enquête. Je tente pas si il est vraiment gay. Ou si j'ai assumé ça toute seule. Je crois qu'il est gay. Je pense que c'est mieux si on se met un minimum de personnes au courant. Je pense que c'est mieux si on met un minimum de personnes au courant de l'existence de cette photo. Max a raison. J'avais déjà du mal à en parler à une seule personne. J'ai décodé votre message. Vanny, qu'est-ce que tu fais là? Ça doit faire bien 10 minutes que je suis là, assise par terre sur l'ordinateur portable du tralent du lycée à attendre qu'une page se charge. Je m'occupais donc en déchiffrant votre code. Mais vous en faites pas, je sais même pas qui c'est cette Kiara de la cour. On t'écoute, Vanny. J'ai commencé par la base des bases, c'est-à-dire à partir du principe que tout l'alphabet a été décalé en même temps. Comme votre code avait un V et un X et un W,
Je me suis dit que les lettres et que les lettres en fin d'alphabet sont rares dans les mots français, j'ai décodé à l'envers. Si on prend la lettre précédente, votre code devient machin truc trop long. Si on recommence, on a machin truc trop long. Et si on fait une troisième fois, on obtient S-K-C-U-S-O-E-H-T-A-M. De rien. Scuso et Tam. Je suis pas sûr de capter. Oh, pardon, je suis allée trop vite. Comme j'ai vu 4 voyelles différentes apparaître, je me suis dit que c'était potentiellement notre message. Si tu lis Scuso et Tam de droite à gauche, on se retrouve avec Matteo Sucks, ou Matteo Craint en anglais. Et comme je vous ai entendu parler d'un Matteo, j'imagine que c'est ça le code. Vanny, tu es un génie! Bravo et merci surtout. Bah, ça fait pas vraiment avancer le truc. On sait tous que Matteo Craint. C'est peut-être n'importe qui du lycée. Exactement, n'importe qui du lycée. C'est quelqu'un qui en va à Matteo, à Clara ou aux deux. Donc ça élimine Matteo de la liste et ça réduit notre périmètre de recherche à l'enceinte du lycée, en théorie. Comme les deux sont en terminale, on peut se concentrer sur les terminales d'abord. Sauf si c'est Alex. Établissons une liste de suspects à interroger discrètement. Ou même de leurs amis proches qui pourraient secrètement leur en vouloir. Alex, Charles, Mathilde et c'est tout. Je ne reconnais pas d'autres amis proches que Charles et Mathilde. Après, à la cantine, je sais qu'ils mangent tout le temps avec des filles de ma chambre, Adèle et Sixtine. Je peux les interroger, même si on ne s'aime pas trop. Sinon, en suspect, on a Juliette, Mélanie, Lorraine. Je m'étonnerais pour Juliette et Lorraine, mais si tu veux les interroger, fais-toi plaisir. Ce serait une perte de temps, je pense. Je préfère me charger de Charles et Mathilde, et s'ils me donnent des pistes, j'interrogerai ces gens-là aussi. Très bien, je m'occupe de Juliette et Lorraine et Mélanie. En plus des filles de ma chambre, alors. Ce qui nous laisse Alex pour Max et Rachel. Je suis pas sûre que... On fait pas Max, c'est trop important pour que je fasse la mauviette. On peut aussi se charger d'interroger d'autres terminales, d'ailleurs. Je dois interviewer Raphaël Cresserel, le frère du prof d'art plastique, pour mon article. Et d'interviewer toi aussi, Rachel. Un silence s'est fait entendre et nos estomacs se sont mis à gargouiller presque tous en cœur. Après manger, bien entendu. On peut pas avoir les idées claires avec le ventre vide. On se retrouve à la fin de la pause déj pour partager nos avancées. Ok. Et donc, ouais, je la connais juste de vue et on s'est jamais parlé. Mais je crois pas qu'elle ait d'ennemis à proprement parler. Je pense que tous les terminales la détestent moyennement. À part ses amis et les amis de son copain. Qui l'apprécient, je crois. Par contre, j'arrive pas du tout à comprendre ce que Clara vient faire dans cette histoire d'élection de délégués. Elle est juste la suppléante de Charles. C'est du max tout craché, ça. On lui demande d'écrire un article sur les élections et à elle écrit la biographie de tous les délégués ainsi que de leurs suppléants. Et oui, c'est du moins tout craché. Une perfectionniste qui en a fait toujours plus. De l'inverse de moi, un flemmard qui fait toujours moins. Ah, merci beaucoup en tout cas, Raphaël. Raphaël. Merci beaucoup en tout cas, Raphaël. On va te laisser finir de manger tranquillement. L'article sortira à 15h15. 15h15, c'est très précis ça. Oh oui, tous les articles seront publiés à 15h15, une décision de Mathilde, la pote de Clara. Oh, au moins, tu as pu finir tes interviews pour ton article. J'espère que les filles ont plus de chance que nous. Tu sais, on peut vraiment aller interroger Alex. Je sais où il travaille à côté de ses études. Et il nous reste un peu de temps avant de devoir rejoindre les filles. Alors je crois que les deux fois, j'étais avec elle. Le truc c'est que j'ai pas envie de ne pas aller avec elle. Parce que je trouve que genre c'est un peu... dire en mode t'as pas de... Pas forcément t'as pas de courage, mais voilà. Je suis sûre de toi, allons-y. Sûre et certaine, c'est du passé. Meuf, le mec t'a trompé, quitté jour de son anniversaire, puis harcelé pour te récupérer. C'est normal si t'as pas envie de le voir, même si tout ça est derrière toi. C'est trop important. Alex travaillait bien au restaurant japonais dont Rachel avait parlé. Il avait l'air sur le point de partir. Alex!
C'est pas les mêmes décors que la dernière fois. Depuis tout à l'heure, je suis un peu perturbée, mais en fait, c'est pas les mêmes décors que la dernière fois, je rêve pas. Ils ont dû changer pendant. Ajeb a dû changer. Pendant les. Quand il a sorti l'épisode 9. Max, c'est ça? Et Rachel, qu'est-ce que vous faites là? Je vais faire simple et court. Je sais que tu as publié anonymement une photo intime de Clara sur Internet et je vais prévenir la police. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas la tête? Quelle photo? Et depuis quand tu es amie avec Clara, toi? Je bluffais, je voulais simplement voir ta réaction. De toute façon, Clara ne m'a jamais envoyé de photo intime pendant la durée de notre relation. Et elle pourra le confirmer? Bien entendu. Bon, écoute, je sais pas ce que vous cherchez, alors crache le morceau, j'ai pas le temps. Ça me tue de te demander ça, mais est-ce que tu as une idée de qui pourrait avoir une telle photo dans sa possession? Je sais pas, demande au type avec Clara le. Je sais pas, demande au type avec lequel Clara m'a trompé pendant les vacances. Qui ça? Matteo? Je sais pas, un type de sa classe. J'en sais pas plus, sa vie ne m'intéresse pas. Demande à Émilie, elle en sait plus que moi pour le coup. Ok, bon, on va te laisser. Aïe, Alex? Quoi? Ça fait quoi de se faire tromper par la fille avec qui tu as trompé ton ex alors? Max. Pff, gamin. Au fait, Rachel, maintenant que je te tiens et je voulais te dire. Allons-y, Max. Et Matteo m'a assuré que tout se passait bien entre lui et Clara et que Clara n'avait pas l'air plus stressée ou agressive que d'habitude. Donc je suis pas sûre que ce qu'Alex ait dit soit très utile. Retour à la case départ alors. Mais en tout cas, Clara n'a pas l'air au courant. Matteo aurait remarqué un truc, je pense. Et s'il me cachait quelque chose, je l'aurais remarqué. J'ai pas voulu plus creuser, comme il avait déjà l'air de se douter que je cachais quelque chose, mais j'ai pas voulu lui en parler. Qu'est-ce qu'on fait du coup? J'espère que vos recherches ont été plus fructueuses que les miennes. Oh, Nejma, j'avais complètement oublié que tu étais partie à parler aux filles. On n'y croyait pas trop en même temps. À part peut-être pour Mélanie ou les filles de ta chambre d'internat, comme je ne les connais pas. C'est pas possible que ce soit une fille qui ait fait ça. De toute façon, c'est un comportement de pauvre mec. Émilie! Je pense quand même pas qu'Émilie ait pu faire ça quand même. Plus rien ne m'étonnerait avec elle, mais quand même. J'en sais rien, mais Alex a dit de demander à Émilie l'identité du mec avec qui Clara l'a supposément trompée. Attends. Clara a trompé Alex avec un autre mec que Matteo? Aucune idée, mais je peux pas lui demander. Émilie me déteste. C'est vraiment une mauvaise idée que j'allais lui parler, moi aussi, c'est toujours tendu entre nous depuis l'année dernière. Allez, en cours, vous avez déjà beaucoup fait. Sarah et moi, on va interroger Émilie. On se retrouve à la récré avant de rejoindre Mathilde au club de journalisme. J'avais déjà oublié notre histoire du club de journalisme. J'avais déjà oublié votre histoire du club de journalisme. Mais ok, ça marche. Merci les filles, à tout à l'heure. Je n'arrive pas à croire ce qui arrive, c'est le genre de situation qu'on n'entend parler que sur Internet ou à la télé. Ça, je réalise pas. Devoir faire ça pour Clara m'embête, mais on doit le faire. Changeons de sujet, je veux pas y penser pour l'instant. Je comprends, c'est beaucoup de stress. Surtout si tu as un article à rendre à Mathilde Van. Stress. J'avais oublié ce genou. La meuf tout le temps sous pression. Quoi de neuf avec Lorraine alors? On ne faisait que de se parler avant qu'elle m'arrête hier. On faisait que de se parler avant qu'elle n'arrête hier, soudainement, et je pensais qu'elle me ghostait, mais c'est apparemment un simple bug de mon téléphone. Je la vois ce soir après les cours, mais je sais pas vraiment quoi faire de plus. C'est pas vraiment un date, alors je m'attends à rien. Tu pensais qu'elle te ghostait parce qu'elle n'a pas répondu à tes messages depuis hier, mais poto, t'es complètement amoureux là! Mais non, c'est beaucoup trop tôt pour parler d'amour, je panique tout de suite. J'ai une idée. J'ai peur de ce que tu vas me dire. Pourquoi ça? Tu invites Lorraine au concert de Nuggets on the Run de samedi prochain, en étant sûre qu'elle comprenne qu'il s'agisse d'un rendez-vous. Et si elle refuse? Au moins tu seras définitivement fixée sur ses intentions réelles. Pire, si elle accepte, eh bien, tu seras également définitivement fixé sur ses intentions réelles. La sonnerie annonçant la fin de la pause déjeuner et le début des cours de l'après-midi a retenti. Sarah nous a fait un message pour nous dire qu'elle et Nejma n'avaient pas encore trouvé Émilie. J'ai passé l'intégralité du cours à rédiger mon article, tout en essayant tant bien que mal de quand même prêter attention au contenu du cours. Entre le stress de finir l'article à temps, de proposer un rendez-vous à Lorraine et celui de l'histoire de photos privées de Clara, j'ai passé 2 heures assez désagréables. Moi qui pensais enfin être tranquille au lycée. Avant de retrouver Mathilde au QG du club de journalisme, Rachel, Sarah et moi avons rejoint Nejma dans les toilettes des filles. Bon, je reviens avec un peu d'informations.
j'ai enfin trouvé Emily qui m'a appris quelque chose potentiellement d'intéressant. Apparemment, quand Emily était amie avec Clara, Mathilde crushait sur Matteo et Clara sur Charles. Ce qui nous apprend une chose et nous offre une théorie. Mathilde a eu raison d'en vouloir à une raison d'en vouloir à Clara et Clara a peut-être partagé cette photo avec Charles pour le draguer. Tu penses que c'est avec Charles que Clara avait trompé Alex ? Du coup, puisqu'elle est sortie avec Matteo et pas lui, Charles a peut-être partagé la photo de Clara pour se venger. Ce qui expliquait pourquoi le nom du compte est Matteo Craint. J'en doute, Charles m'a quand même l'air d'être à fond sur Béatrice depuis un moment. Il n'a pas l'air d'avoir de raison d'en vouloir à Clara, et donc d'humilier la copine de son meilleur pote. Ou alors Mathilde a pu obtenir la photo de Clara et a partagé par vengeance, puisque sa meilleure amie lui a volé l'objet de ses désirs. Je sais pas trop. Je pense vraiment qu'on devrait en parler à quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Effectivement, ça sert à rien de tourner en rond, à interroger ici, on devrait plutôt parler à... Je sais qu'on a fait ça les deux fois, je crois. Et j'ai pas envie de changer mon choix. Parce que je pense toujours que c'est pas une bonne idée d'en parler à Clara. Et le proviseur, je ne connais pas assez. Et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va clocher dans tous les cas. Genre même s'il a l'air incroyable. Donc je préfère toujours faire Madame Vasseur. Je suis désolée si vous avez envie de voir un autre choix, mais j'ai pas envie de changer mon choix. Parce que Madame Vasseur, c'est une valeur sûre. Madame Vasseur, elle saura gérer tout ça mieux que nous. On peut lui faire confiance. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est la meilleure solution. J'imagine que lui. Il faut prévenir soit elle, soit Clara de toute façon. Surtout que la photo circulerait peut-être depuis plusieurs mois avant que Nejmal ne la trouve, chaque seconde compte. On est arrivé au QG du club de journalisme, la boule au ventre. Aucune de nous n'a dit aucun mot sur le chemin. On a décidé d'en parler à Clara et ou la CPE une fois nos articles publiés. Et la pression générée par Mathilde redescendue. Mathilde a lu tous nos articles et ne les a fait programmer pour une publication à 15h15. Bon, bref, on ne va pas attendre que Noah et Molly s'en... On va pas attendre Noah et Molly s'en 7 ans. Il est 14h... il est 15h14. Plus qu'une minute avant que les articles ne soient publiés. Merci encore à toutes et à tous pour vos contributions qui sont pour la plupart de travaux de qualité. À part toi, Rachel, qui t'a incrusté pour je ne sais quelle raison. Mais bon, à vous de me remercier de vous avoir choisi. C'est mon génie et mon talent à moi qui ont rassemblé cette équipe de choc. Mathilde von Strauss, suivez-moi s'il vous plaît. Et les autres, je pense que vous pouvez dire au revoir au club de journalisme. Thomas, je vous laisse vérifier le contenu du disque dur de l'ordinateur et nous rejoindre dans mon bureau par la suite. C'est un poisson d'avril, c'est ça? Généralement, on fait ça le 1er avril, pas le 4 octobre. Le proviseur et la CPE sont partis avec Mathilde. Et les filles et moi, nous avons tout de suite sauté sur Thomas pour lui demander des informations. Je suis désolée, je peux rien vous dire, c'est ultra confidentiel et assez sensible comme sujet. C'est en rapport avec Clara de la Tour, une certaine photo? Comment est-ce que vous le savez? Ne dites pas que vous êtes de mèche, c'était pour ça que le journaliste? Une sorte d'outil de vengeance pathétique pour lycéens immatures? Non, pas du tout. On enquête de notre côté pour savoir qui a posté cette photo de Clara dans un groupe sur les réseaux sociaux. C'est Mathilde qui en a l'origine, donc? Tout porte à croire que c'est elle, en tout cas. Un article pour illustration de la photo de Clara était programmé pour 15h15. Comme l'article était signé Mathilde et qu'elle est à l'origine du journal du lycée, ça paraît être la coupable idéale. Même si c'est louche qu'elle m'ait elle-même donné ses identifiants et donc donné accès aux articles programmés. Justement, tout paraît louche. Elle ne serait pas aussi bête que ça, même si ça explique pourquoi elle a voulu lancer le club. C'est trop simple. Mais ce serait logique si elle était jalouse de Clara à cause de Matteo. Si ça se trouve, elle avait l'intention de la publier sous un de nos noms. Mais elle s'est trompée. De toute façon, si c'est pas Mathilde, c'est forcément quelqu'un du club de journalisme. La personne ayant programmé l'article savait que les articles seraient publiés à 15h15. Ou alors c'est une personne interviewée aujourd'hui à qui l'une de vous a donné l'horaire de publication des articles. C'est quand même étrange que Noah et Molly ne soient pas là. C'est comme s'ils ne voulaient pas retourner sur les lieux du crime. Si ça peut vous aider, il y a un type qui est entré pour utiliser l'ordinateur tout à l'heure. Il m'a pas vu comme je dormais à moitié dans le coin de la salle. Mais il me semble avoir vu à la réunion du club de journalisme ce matin. Qui ça? Oh, tu sais, je suis pas très douée avec les prénoms. J'ai pas envie de te donner un nom et accuser quelqu'un d'innocent. Mais c'était un terminal, je crois. Charles! C'est la seule réponse logique. Si Charles a les cheveux verts, alors j'imagine que lui. Cheveux verts, Max, tu penses que... 15h15, c'est très précis, ça.
Raphaël était au courant de l'heure exacte de publication de nos articles. Attends, je vais trouver son Insta et montrer son visage à Vanny pour qu'elle nous dise si c'est bien lui. Rachel a sorti son téléphone et s'est rapprochée de Vanny. Est-ce que c'est lui que tu as vu ? Je suis quasiment sûre que oui. En langage de Vanny, ça veut dire que c'est 100% sûr. Dépêchez-vous d'aller voir la CPE et le proviseur. Gabriel, depuis quand est-ce que tu es là ? Assez longtemps pour avoir entièrement compris la situation. Max, il faut que tu vois cette photo sur laquelle Rachel a été taguée. Attends, Raphaël et Clara sur la même photo ? Pourtant... Et donc ouais, je la connais juste de vue. On s'est jamais parlé, mais je crois pas qu'elle ait des ennemis à proprement parler. Nous avait menti, donc ? Presque 2 heures plus tard... Ouais, ils ont vraiment... Il a vraiment changé les décors. Super. Je tenais encore une fois à vous présenter mes excuses, Mathilde. Le club journaliste sera bien entendu maintenu. Raphaël Clesserel est actuellement avec le proviseur dans son bureau. Je compte sur votre discrétion afin de ne pas nourrir les rumeurs. Nous connaissons pas encore la détendue des dégâts. Surtout si les rumeurs viennent nuire à la réputation de Monsieur Clesserel, qui lui n'a rien fait. J'espère que cette publication signalée par votre camarade Nejma et cette tentative de publication sur le site du lycée sont les deux seules fois où Raphaël a partagé cette photo. Et j'insiste, Max. La prochaine fois, venez m'en parler directement. Même si je m'occupe principalement des classes de première, cette année je peux faire la liaison avec mes collègues. C'est mon rôle de gérer ce genre de problème. Vous concentrez-vous sur vos cours et confiez ces problèmes aux adultes qui peuvent faire quelque chose. Dans ce genre de situation, il y a toujours au moins un adulte de confiance à qui vous pouvez en parler. Si jamais vous n'avez personne à qui en parler, le numéro gratuit 3018 est là pour vous aider à faire face aux cyberviolences telles que le cyberharcèlement ou le revenge porn. Même si la CPE n'a pas insisté pour nous faire la morale, j'ai bien compris qu'on aurait dû lui parler dès le début, sachant que l'on sait qu'on peut lui faire confiance. J'espère juste que tout ira bien pour Clara, même si je ne l'aime pas. Personne ne mérite d'avoir ses photos intimes publiées sans son accord. Je suis contente qu'on ait pu retrouver le coupable, même si je n'aurais jamais imaginé qu'il s'agissait du frère de Monsieur Cresserel. Je ne la connais pas plus que ça, mais il ne m'avait pas l'air méchant. Comme quoi, il faut vraiment se méfier de tout le monde. Merci d'être venu me secourir, mais la CPE a raison. Si tu étais allé parler à Clara, la CPE ou moi, dès que tu as eu l'information, tout serait allé plus vite. Et le proviseur de la CPE ne m'aurait pas humilié devant mon club de journalistes. Ce loser de Raphaël est obsédé par Clara depuis qu'elle a liké une de ses photos par accident. Comme on montrait à nos potes à quel point Mélanie n'est sortie qu'avec des moches. À part Juliette, je lui accorde ça. Mais bon, si j'étais venu m'en parler ou lui en parler à elle, on aurait tout de suite su que c'était lui. Clara regrette tellement d'avoir flirté avec lui et lui avoir envoyé cette photo. Ne t'en fais pas, ça fait un moment que je me le répète et qu'on me le conseille. Mais oui, je vais jeter mon costume de Sherlock Holmes pour de bon cette fois. Je vais me concentrer un peu sur moi. Tant mieux pour toi. De mon côté, j'essaierai de faire en sorte que Clara soit un peu moins méchante envers toi et tes amis. Tu comptes lui parler de tout ça ? Est-ce qu'elle est au courant même ? Je suis bien obligée. Le professeur m'a parlé d'impliquer la police dans cette histoire. Il voulait la convoquer. Et j'ai dû les supplier de ne pas les faire. Elle n'est au courant de rien à ma connaissance. Elle m'en aurait parlé à moi si elle avait su quelque chose. Je préfère que ce soit moi qui lui en parle en face à face plutôt qu'elle l'apprenne par quelqu'un d'autre avec 2 adultes dans la pièce. Mathilde a publié les articles avec un peu de retard, mais ça nous a au moins permis de tous les relire une dernière fois avant de les rendre publics. Elle a prévenu Lorraine que j'avais eu quelques contretemps, mais j'espère que mon retard ne sera pas pris pour un manque d'intérêt. Après une journée longue et riche en émotions, j'ai enfin rejoint Lorraine. Mais malheureusement, elle n'était pas seule. Ah, coucou Max. Tu tombes bien. Jette me disait qu'entre son cours de piano et les répétitions des Nuggets on the Run, elle n'aurait pas le temps de dîner ce soir. Tu viens avec nous au restaurant ? Je sais qu'il est encore tôt, mais vu qu'il y avait à manger à la cantine ce midi, j'imagine ne pas être la seule à crever de faim. C'est la première fois qu'un menu de la cantine fait vraiment l'unanimité, mais dans le sens du mauvais terme. Dans le mauvais sens du terme. Bloom. Avec plaisir. C'est vrai que cette journée a été à courir partout, ma femme est...
Toujours à jouer les super-héros? Depuis ton arrivée l'année dernière, tu ne t'arrêtes pas. Je sais, mais c'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de vouloir aider tout le monde et résoudre leurs problèmes. Mais ça te prend trop de temps et d'énergie. On le voit toutes les deux très bien. Tu devrais penser un peu plus à toi. Exactement. Tu es une personne extraordinaire. Mais tu ne peux pas sauver tout le monde. Tu mérites aussi de prendre du temps pour toi. Je sais. J'ai déjà eu cette conversation encore et encore. Et j'en suis arrivée à la même conclusion. C'est pas facile, mais je vais essayer de faire confiance aux adultes du lycée. Entre les surveillants, la CPE et le nouveau proviseur, j'ai plein de personnes compétentes sur qui je peux compter. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Moi aussi. Tu m'as été d'une grande aide il y a quelques mois quand tu as aidé à démasquer mes harceleuses, et je t'en suis extrêmement reconnaissante. Mais il faut que tu vives ta vie toi aussi. Vous avez raison. Salut tout le monde! Oh, salut Béatrice! Coucou Béa! J'ai du mal à m'habituer à ton nouveau look. Pas mal, pas en mal du tout, c'est juste que c'est très... Très pastel et super mignon. Oui aussi, mais surtout ultra original. Même si tu ne gagnes pas de The Star Machine, au moins tout le monde se souviendra de toi. C'est gentil, mais je commence à grave stresser là. Les auditions filmées devant le jury et le public, c'est samedi. Je suis en panique depuis ce matin. On m'avait pas dit que ce serait si tôt. Samedi, c'est pas le jour du concert de votre groupe? Tu vas pouvoir faire les deux? Oui, sans souci. On a toujours l'impression que ce genre d'audition est filmé le soir, mais j'ai rendez-vous à 8h pour un passage à 11h. Donc, même dans le pire des cas, je serai rentrée pour 17h, grand max. J'espère que le stress de l'audition n'impactera pas ta performance pour le concert du soir. Zut, je voulais pas dire ça, c'est l'inverse que je voulais dire ou faire. Je veux dire, comme je sais que c'est beaucoup de pression, j'imagine pas comment tu dois te sentir. Imagine si en plus tu as la voix cassée ou mal à la gorge, une performance ultra importante ratée. Zut, c'est encore pire que tout à l'heure, je voulais dire... Oh, peut-être mieux que tu ne continues pas ta phrase, Lorraine. Je vous laisse, je dois aller voir ma prof de chant en urgence, bisous! Je vous jure que c'est pas ce que je voulais dire. Ne t'en fais pas, la pression ça aide Béatrice à donner le meilleur d'elle-même. Elle va juste aller aux toilettes 5 fois par heure, mais elle sera préparée pour toutes les possibilités, au moins. Rappelez-moi quand même de tourner ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler à l'avenir. Juste peut-être quand la personne en face de toi indique clairement être en stress. Je suis tellement contente d'être ici avec vous, les filles. Ça fait depuis l'année dernière que je veux vous proposer de manger ensemble et de se voir en dehors du lycée. Même si j'aurais préféré être en tête-à-tête avec Lorraine. On a fait pas mal de sorties en dehors du lycée, pourtant. Il y a eu la Pride en juin dernier. La soirée sur la plage de cet été et aussi plusieurs répétitions du groupe. Je voulais dire, avec toutes les deux seulement. C'est vrai, ça? En effet. Par contre, toutes les autres tables ont des sauces soja et nous, on n'a rien. Comment ça se fait? Tu veux que j'aille en demander? T'inquiète, je vais vous laisser de la table vide à côté. D'ailleurs, gros débat, Max. À chaque fois qu'on mange au restaurant japonais avec Juliette, on a la même. Aide-nous à décider de qui a raison. Tu veux faire la sauce soja sucrée ou bien la salée? Alors, je crois que c'est sucré pour Lorraine. Mais sachez que je préfère la salée, du coup, parce que je crois que je l'avais dit que je me souvenais plus, mais c'est bien la salée. J'ai jamais goûté de sucré, mais je préfère la salée, enfin, parce que j'ai pas goûté sucré, mais je crois que c'est sucré pour Lorraine. Yep! On va dire sucré pour Lorraine, mais en vrai c'est... Pardon, en vrai c'est salé. Je préfère la sauce soja sucrée. Yes, j'ai gagné. Rien de mieux que le mélange sucré-salé. Même si j'aime bien la sauce soja sucrée, je suis team salée. C'est peut-être mon côté légèrement snob qui m'empêche d'apprécier la sauce soja sucrée. Il n'existe pas ou que très peu au Japon. Au moins, tu admets être un peu snob. C'est un bon début. Mais quand je parlais de débat, je pensais surtout à l'autre débat, moi. L'autre débat? Ah oui, je vois de quoi tu parles, on a une autre question pour toi. Au restaurant japonais, tu préfères manger chaud ou froid? Moi, dans la vie, je préfère manger froid. Je crois que j'avais répondu froid. Ok. Non mais en fait, tout ce que j'aime, c'est en rapport avec Juliette et Lorraine aime l'inverse. Je préfère manger chaud. Moi aussi. Leur sashimi est vraiment incroyable, alors j'en fais une exception. Mais je suis trop fan de leur yakitori et de leur udon. Je ne peux qu'être team chaud. Tout ce qui est froid est à peu près le même goût pour moi. Je pense pas que ça change grand chose, mais vu que là je suis avec Lorraine, je lui fais des réponses qui lui font plaisir, quoi. Moi je suis team froid. C'est souvent ce qu'ils réussissent le mieux dans les restaurants japonais en France.
C'est vrai. Leur Hiyayako et leur Zarusoba, je prononce les noms japonais avec l'accent, enfin, avec la prononciation coréenne. Du coup, ça n'a aucun sens, mais on essaie. On a quasiment le même goût que ceux que j'ai pu goûter lors de mon voyage au Japon. J'ai jamais entendu parler de ces plats de ma vie. Mais je suis très bien avec mes nouilles, mes brochettes et mes gyudon. Tu es déjà partie au Japon, Juliette? C'était comment? C'était une expérience incroyable et inoubliable. Les temples, les jardins, les marchés, la nourriture, tout était si beau. Malheureusement, en 2 semaines, je n'ai pu voir que le côté touristique du Japon. J'aimerais vraiment y passer 1 ou 2 mois, un de ces jours. Rien que d'en parler, j'ai envie d'y retourner. Je suis un peu jalouse. En dehors du Congo, de Londres et de Paris, je n'ai jamais visité d'autre que notre charmante barbante région. Alors, Lorraine. Déjà, t'as été au Congo, donc t'as pris l'avion. Enfin, je suppose, oui. Je n'ai jamais pris l'avion de ma vie. Et tous les seuls pays que j'ai visités, c'est parce que j'habite aux frontières. Donc, littéralement, j'ai pas visité, j'ai juste été voir, donc tu as plus de chance que moi déjà. Ok. Et toi Max, t'as visité quoi comme pays? Malheureusement j'ai pas eu trop l'occasion de voyager en dehors de la France. Il y a tellement d'endroits à visiter que je saurais même pas par où commencer. Ma mère est plutôt du genre à vouloir partir en vacances en Bretagne ou dans le Jura. Si jamais je gagne un jour au loto, je vous promets que je nous paye un voyage d'un mois au Japon, à tous les trois. Sachant que je n'y joue même pas, ça risque d'être compliqué, mais l'espoir fait vivre. C'est quand même cool de savoir que tu penserais un jour, nous, si un jour tu deviens riche. Après un dernier débat au retour de la question fourchette ou baguette, les filles et moi avons commencé à manger. Moi, je sais pas manger avec les baguettes, du coup je mangeais avec les couverts. Même si j'ai passé un bon moment autour de la table avec Lorraine, j'aurais aimé qu'on soit que tous les deux. Je n'ai pas voulu non plus parler à Lorraine en excluant Juliette de la conversation, puisqu'elle l'aurait mal pris toutes les deux. On a passé le reste de notre dîner à parler de nos projets d'avenir et de nos séries du moment, des sorties cinéma à venir. Et j'ai quand même passé une très bonne soirée, même si la journée avait mal commencé et que j'avais prévu d'être seule avec Lorraine. Bon, je dois me rendre à mon cours de piano, moi. C'était une super chouette soirée, à refaire au plus vite. Il ne faut pas que je tarde non plus. Mon coloc a oublié ses clés et il rentre bientôt de son job étudiant. Oui, c'est à refaire quand vous voulez. Je peux t'accompagner jusqu'à chez toi, Lorraine, si tu le... Zut, j'ai oublié que Carmen et Edouard venaient dîner ce soir. Tu es bientôt à la maison? Je suis occupée pour l'instant, il faut que je vraiment sois là. Oui, mon lapin, par politesse déjà. Et puis il me semble que la raison de leur visite me concerne aussi. A tout de suite. Oups, ça va pas être possible en fait, je dois rentrer chez moi. Ma mère est super cool, mais si elle me dit « à tout de suite » dans un message, ça veut dire que je devrais déjà être en route. Ça fait quand même plaisir de savoir que tu m'aurais accompagnée. T'as la chance d'avoir une mère aussi cool. Je ne comprendrai jamais tes parents, Juliette. Pourquoi? C'est compliqué. Ils m'ont toujours poussé à exprimer ma créativité, mais maintenant qu'ils voient que je veux vraiment être dans des études artistiques, ils sont déçus. Alors, non, mais Juliette, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est pas une bonne idée. Non, mais après, si c'est... Moi, je dis ça si elle tient à sa santé mentale. C'est très bien l'art. Je suis la première personne à adorer ça. Je pense qu'on le sait tous. Mais... Il paye pour mes cours de piano depuis presque 10 ans. Ils m'ont inscrite à des cours de dessin, un club de basket, j'ai même fait de l'équitation. Mais pour eux, que ce soit artistique ou sportif, ça ne doit rester que des hobbies. Alors que c'est eux qui me poussent depuis toujours à faire au maximum de choses sur mon temps libre. J'imagine même pas leur réaction si jamais les Nuggets on the Run devenaient connus et que tu commençais à faire des tournées. Ils ne sont même pas au courant que je suis dans un groupe de musique, autant ne pas leur dire et éviter qu'ils essayent de me convaincre de que je gâche ma vie. C'est ce que je me disais au début de ma transition, avant que ce soit le plus possible de cacher à mes parents. Zou Lorraine, je suis là à me plaindre de mes parents alors que tu ne parles même plus au tien. Mais non, ne sois pas désolée. J'ai pas eu besoin de soutien de mes parents tant que j'ai celui de mes amis. Oh, on sera toujours là pour toi. Tu peux compter sur nous. Bon, j'arrête de vous embêter avec mes problèmes, j'y vais avant d'être en retard. J'y vais aussi. A plus les filles. A demain, Max. Je suis arrivée chez moi un peu déçue de ne pas avoir pu passer plus de temps avec Lorraine. Carmen et Edouard sont venus afin de discuter de la volonté d'Edouard d'en savoir plus sur notre géniteur, voire même de le rencontrer. Je dois avouer que c'est pas une chose qui m'intéresse plus que ça pour le moment, alors je n'ai pas vraiment participé à la conversation.
Mes pensées sont principalement occupées par Lorraine. Après dîner, Edor et moi nous sommes montés dans ma chambre afin de discuter de nos vies respectives et d'essayer nos mères échanger tranquillement. Puisque tu m'as aidé dans ma relation, je veux bien te conseiller, mais il faut que tu sois prêt à entendre ce que j'ai à te dire. Comment ça? Si j'ai bien compris, tu n'arrives pas à dévoiler tes sentiments à Lorraine parce que tu ne sais pas s'ils sont réciproques. En gros, c'est ça, mais j'aimerais bien juste pouvoir l'inviter à un date sans que ce soit pris comme une invitation amicale. Mais sans sentiments, est-ce que tu es sûr qu'ils sont là? Je veux dire, est-ce que c'est l'idée d'être en couple qui prime plus que l'envie d'être avec Lorraine? Je ne te suis pas trop. Je parle français pourtant. En vrai, et je pense que c'est parce que tu n'as pas envie d'entendre, mais j'ai l'impression que tu te précipites un peu trop. Le moment le plus fun d'une relation, c'est justement cette phase de tension et d'incertitude que tu essayes de passer en voulant être clair sur tes intentions. Si tu n'arrives pas à proposer un date à Lorraine, c'est parce que ton cerveau sait que tu brûles les étapes, il n'y a pas le feu pourtant. Je t'assure que quand ce sera le moment de dévoiler tes intentions et tes sentiments à Lorraine, tu seras au fond de toi. Pour l'instant, si tu te prends la tête, c'est que c'est trop tôt, ou trop flou, ou trop incertain. Je vois où tu veux en venir, mais je fais quoi en attendant? Continue à passer le plus de temps possible avec Lorraine et quand ce sera le moment, tu le sentiras. Je t'assure que c'est 100 fois mieux quand ça vient littéralement que naturellement que quand c'est forcé. Tu as raison. Depuis quand est-ce que tu es devenu un expert en relation amoureuse, dis donc? Depuis que je suis sur un petit nuage avec Yanis, et c'est en partie grâce à toi. Mais du coup, je fais quoi en attendant? Je veux dire, pour faire comprendre à Lorraine que ce que je ressens sans lui dire? Tu continues comme tu le fais déjà, tu passes le plus de temps au lycée avec, tu lui proposes des sorties de temps en temps, et surtout, tu lui lances des regards. Tu souris, tu lui montres que tu t'intéresses à sa vie, tu lui fais comprendre à quel point c'est une personne importante à tes yeux. La base, quoi, je peux pas le faire non plus pour toi. Et si c'est réciproque, tu le seras aussi, j'en suis certain. Techniquement, avec Lorraine, on sait que c'est réciproque, puisqu'elle était vraiment en mode... Ça me fait beaucoup de concurrence, donc... Techniquement, elle le sait. J'espère que tu as raison. Edor ne m'a rien dit si je savais que je ne savais pas déjà. Mais quand il s'agit de ce que je ressens pour Lorraine, j'arrive pas à penser normalement. C'est vrai que de ne pas avoir ce fardeau de devoir absolument lui faire savoir que mes sentiments sont plus qu'amicaux rendrait tout plus simple. Entre ça et ma décision de ne plus jouer à les détectives, comme j'ai pu le faire l'année dernière et encore aujourd'hui, mes journées au lycée s'annoncent plus légères. Après avoir passé la journée à y réfléchir et la soirée à en discuter avec Edouard, je pense savoir pourquoi j'étais si déterminée à régler le problème de tout le monde. C'est difficile d'être un nouvel élève, et comme je n'avais pas vraiment eu d'amis à part Candy, je ne savais pas comment faire pour m'intégrer. Quand je suis arrivée au lycée Hummingbird, j'ai donc tout de suite fait en sorte de me rendre indispensable et serviable, afin de me sentir utile et appréciée. Je ne veux plus être la personne qui règle les problèmes de tout le monde. Je veux être la personne qui sait comment prendre soin d'elle-même tout en offrant son soutien à ses amis. En cas de besoin, je veux trouver l'équilibre entre les deux. Notre discussion a dévié vers la psychologie de comptoir, mais c'est ce que j'avais besoin d'entendre afin d'entamer sereinement et naturellement les prochaines étapes de ma vie. Hé, comment ça va depuis tout à l'heure? Voilà, on va sauvegarder. Ça me faisait longtemps que j'avais pas lu autant. Ça va, j'ai fait ça en une heure, je sais plus combien de temps les autres épisodes avaient duré, mais de toute façon, je le dis toujours, mais c'est toujours la même chose quand je découvre. C'est plus long. Alors attendez, je vais voir ça tout de suite. Alors, Clément, ça avait duré 1h33 et 1h23 pour Juliette. Je pense que je lis beaucoup plus vite qu'avant, ou soit je fais moins de commentaires, je ne sais pas. J'ai pas grand chose à dire, je pense que je vais m'arrêter là. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour Evan. Je vous avoue que les rendez-vous des autres, c'est pas qu'ils m'intéressent pas, mais je n'ai pas forcément envie de m'encombrer avec ça. Puisque j'ai oublié qui on a fait et qui on n'a pas fait. Donc on les reprendra à l'épisode 9, comme à chaque fois je fais un crush. Vu que j'ai la moitié des crushs, on fait l'autre moitié, voilà. Je réfléchissais au fait de faire que le rendez-vous des vannes, là, vous savez, avec l'option. Mais je me dis que c'est pas une bonne idée parce que je sais que certains d'entre vous doivent regarder juste Clément, juste Juliette, juste Lorraine, juste Evan. Je pense pas que vous regardez tous les quatre, mais c'est pas un problème. Mais c'est juste pour dire que du coup je préfère quand même faire Evan en entier comme j'ai fait par exemple pour Idols, j'ai fait la route Daniel et Ginny. Bon, la différence avec Idols, c'est qu'il n'y a pas juste un seul moment avec ton crush. C'est plus diversifié, enfin,
T'as souvent plus de moments avec ton crush qui sont différents. C'est là, par exemple, je crois qu'à chaque fois, les rendez-vous, ils étaient par deux. Sauf Evan et Thomas. Donc, ouais. Du coup, je sais pas... Normalement... Alors, attendez. Mon planning. Normalement, cet épisode sort le 26 décembre. Techniquement, jeudi, vous avez Evan. Si tout se passe bien dans ma vie. Donc, je vous dis à jeudi si tout se passe bien. Normalement, ça devrait aller. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et on se retrouve bientôt. Bye bye!